C'est tout oublier. Aimer, c'est s'oublier soi-même. Aimer, c'est toute la vie qui s'ouvre à toi. Oui. Toute la vie s'ouvre à toi. Parce que tu es là, tu es présent. C'est ça, aimer, c'est être présent. C'est ne pas être absent. C'est se donner là, sans qu'il y ait une perturbation entre toi et tout ce qui t'entoure. La perturbation, ce sont tes pensées. Tes pensées t'empêchent d'être là. Elles t'empêchent de voir que la vision au loin, tout ce que tu vois n'est pas perturbé par une interférence. Donc tu es là, mais en même temps, tu n'as pas la perception. Celui qui aime, il a une perception dégagée. Il voit au-delà de tous les problèmes. Il regarde le monde et voit au-delà de tout le chaos. Il peut comprendre que au-delà de tout ça, il y a quelque chose. Et s'il le voit, ben il le met en pratique. C'est ça l'amour. Aimer, c'est de mettre en pratique ce que personne ne voit parce qu'ils sont distraits avec leurs pensées. Donc, aimer, c'est de faire le vide en soi et à ce moment-là, ne pas être une image, une icône, quelqu'un qui veut être vu. Tu es rien à ce moment-là. Tu ne veux rien. Tu es invisible. Tu es le serviteur. C'est ça. Parce que si tu veux expérimenter la vraie joie, la joie d'être, la joie d'être là, c'est la joie de celui qui est libre, libre de toutes les tracasseries. Et peux-tu marcher comme ça, déambuler dans l'existence que tu as, sans aucune tracasserie, à tout aimer? Apprendre tout bras, avec tes bras grands ouverts. Le petit, le grand, le gras, le maigre, le méchant, le gentil. Et tous les prendre dans tes bras. Et accepter qu'il y a des défauts. Parce que tu as compris que ces défauts ne font pas partie de ce que toi tu es. Quand tu es présent, tu es au-delà de toute la différence, de toutes les difficultés qu'il y a de se rencontrer. Tu es au-delà de tout ça. Tu es l'ouverture vers un monde, vers une dimension nouvelle. Tu es une porte ouverte. Vers l'indicible. Aimer. Sans rien demander. Sans rien attendre.
sans rien vouloir acquérir. Aimer. C'est ça, aimer. Et si on savait faire ça, si on peut faire ça, on peut le faire. Parce que c'est la nature de l'homme d'être comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui aime faire son piment. Dans le calou. À La Réunion, on écrase du piment dans un calou pour justement pour donner de l'épice, du peps à la nourriture qu'on mange, le piment. Et quelqu'un en train d'écraser ce piment pour pouvoir le mettre dans toute la nourriture qu'il y a. Alors, est-ce que nous savons vivre sans rien attendre de tout ce que nous faisons? C'est un service. On est un service pour l'humanité. C'est-à-dire être présent à toute la difficulté humaine. Sans que tu sois toi touché par aucune de ces choses. Parce que si tu souffres, si tu as une vie de souffrance, tu es dans les angoisses, les peurs, les vengeances, les blessures. Si tu as tout ça, comment peux-tu être? Peux-tu aimer? Peux-tu? Tu es trop occupé avec toi-même. Et il s'agit de ça, de ne plus être occupé avec soi. De ne plus souffrir en fait, de mettre de côté toute cette souffrance qui vient de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu aimerais être. Tout ça nous empêche d'être vrai. Et quand on est vrai, il y a une sincérité terrible. On est sincère. On ne cache rien. Et cet état de sincérité est une présence. Est une présence qui est là. Et qui sait ne jamais causer du désordre. Qui est dans l'harmonie parfaite. C'est ce que nous devons apprendre à faire, à nous aimer les uns les autres de cette manière, pour que nous puissions ensemble sur cette belle planète vivre ensemble, côte à côte. Parce que nous sommes des humains, et nous avons besoin d'être ensemble pour jouir de cet amour, de cette sincérité, tous les uns avec les autres. Jouir de ça. Il y a une grande joie à se côtoyer avec une profondeur extraordinaire. Parce que cette profondeur, eh bien, elle t'enivre en fait. Parce que tu n'as pas de fond, l'ivresse n'a pas de fin. Elle est tout le temps là. C'est ça l'amour. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, tu vois, aussi dans notre monde aujourd'hui,
Il y a une telle difficulté à faire ça, parce que nous sommes parasités. Nous sommes parasités par toutes sortes de pensées qui passent du coq à l'âne. Et nos esprits sont embrouillés. Il y a une interférence entre tout ce qui nous entoure et soi-même. On n'est pas en contact avec l'autre. La pensée nous en empêche. La pensée nous met des barrières. Parce que quand tu vois l'autre, tu ne vois pas l'autre. Tu vois l'étiquette. Tu vois ce que la pensée dit de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a cette barrière. Mais si tu ne regardes pas l'autre avec l'étiquette qu'il porte, l'Américain, le Chinois, ma mère, mon père, mes enfants, ce sont des étiquettes que la pensée met et elle nous empêche d'être en contact. En contact avec la réalité qui est derrière. Parce que tout ce qu'on voit, quand on rencontre la chose, ben on rencontre mon enfant. C'est mon enfant avec toute la pensée qui va avec, avec toutes les appréhensions qui vont avec, toutes les peurs, les angoisses, mon enfant. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne les uns des autres, en construisant des images, des étiquettes, et qu'on se regarde les uns les autres avec des étiquettes. Et vient la méfiance. Et avec cette méfiance, ben, on n'est plus présent. On est dans l'activité de la pensée. Il n'y a que celui qui n'a pas d'activité de pensée qui peut aimer. Autrement, tout ce que tu dis faire, d'aimer, c'est pas, y a un problème là. Tu n'aimes pas vraiment. Tu te fais croire que tu aimes. Ou peut-être tu aimes par intérêt. C'est peut-être ça, l'amour que nous connaissons. Mais il n'y a pas cet amour où il n'y a rien à attendre, rien à demander, rien à vouloir. Juste être là, présent. Présent à être en contact avec ce qui est vrai. La vie prend une autre tournure pour celui qui a compris ça. Et pour celui qui veut arriver à se défaire de toute la soumission à la pensée. Parce que quelque part, on est soumis à toute cette histoire qu'on se raconte. Les pensées sont des histoires qu'on se raconte à soi-même. On dit, ben ça c'est l'Américain. Ça c'est mon enfant. Et il doit faire ce que j'aime. J'ai beaucoup d'intentions pour lui. J'ai beaucoup de rêves pour lui. Tu vois, mais tu n'es pas en train de l'aimer. Tu es en train de rêver comment il devrait être, comment tu aimerais qu'il soit. Parce que quand tu aimerais que les choses soient à ton goût, eh bien, ça veut dire que tu attends quelque chose de la vie. Mais tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de vivre la vie que tu fabriques et qui n'est pas là. C'est quand tu arrêtes tout ça. C'est là qu'il y a de l'amour. C'est là qu'il y a de la joie d'être ensemble. Quand on n'a aucune attente, aucune pensée dans la tête, aucune prédominance, aucun but, aucun désir. Mais on est présent. Présent. Cette présence n'est pas une présence qui appartient au temps. Elle est hors du temps. Elle n'a rien à voir avec ce monde, avec toute l'activité de ce monde. Cette présence, elle a toujours été là. Cette présence, elle a été, elle va être encore,
et elle ne sera jamais détruite. Et c'est la seule chose qui est vraie, que tu puisses vivre, que tu puisses être. C'est ça, être. Mais pas ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est ta tête. Mais ce que tu es, c'est ce qu'il y a. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut penser autrement que être comme ça, ben c'est de l'illusion. On se leurre. Donc autant revenir aux sources et être ce qu'on est et ne plus se faire du mal les uns les autres.